sa parole. Mais ça coûtait quoi? L'or et l'argent lui appartient. La mort et la vie lui appartiennent. Il tient la vie de tout être en train de nous rendre ce même. Il tient nos santé entre ce même. Celui qui connaît là où et il sait le jour où tu vas mourir. C'est lui seul qui sait là où mourir. Quand est-ce que tu vas mourir? Il y a aucun homme qui peut décider de ta vie. Même si tu es malade, c'est lui seul qui peut te guérir. Même quand tu ne peux rien, c'est Jésus qui est là pour te prêter. Il t'aime. La Bible dit, lui qui a créé les oreilles, est-ce qu'il ne peut pas écouter ta voix? Il dit que lui qui a créé les yeux, est-ce qu'il ne te voit pas? Parce qu'il est comme toi. Il dit dans sa parole, il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il te connaît. Il connaît tes femelles. Ne regarde pas ceux qui sont tout autour de toi. Parce qu'ils ne peuvent rien te donner. Ils t'aiment aujourd'hui. Demain, ils vont le réclamer. Ou bien, ils t'aiment aujourd'hui. Demain, ils vont te haïr. Il y a seulement un seul homme. Il t'aime aujourd'hui. Il t'aimera demain. Il t'aimera le mort le lendemain. Il t'aimera jusqu'à la mort. Même si tu meurs aujourd'hui, il continuera à t'aimer. Parce que c'est là où tu iras après ta mort. Thank you.
Jésus n'a pas été donné encore. C'est Jésus là peut te guérir. C'est Jésus là peut guérir ta famille. C'est Jésus là peut te soutenir. Dans le bon moment, comme dans le bon, dans le mauvais moment. Approche de ce Jésus. Je suis un témoignage de ce Jésus. Je suis un témoignage de ce Jésus.